C'est les risques du métier. Bon, il y en a eu d'autres, hein. De toute façon, c'est pas le premier. Et ce sera sûrement pas le dernier. Ma plus belle œuvre en la matière, je crois que c'est celui-là. Je venais tout juste de racheter un nouveau drone. C'est mon premier vol. Et j'ai été un peu trop gourmand. Je voulais absolument avoir cette image du drone qui passe à travers la montagne. Et il a fallu aller chercher le drone tout en haut de la falaise. Ça m'a coûté quelques sueurs froides et quasiment une journée de grimpe aller-retour. C'est comme ça qu'on apprend, en faisant des erreurs et en prenant des risques. On n'est pas toujours dans des endroits avec une vue magnifique. Là, ça fait 12 jours maintenant qu'on est ici, là, sur ce parking. Qui est un peu sale dans les coins. Enfin bon, c'est pas franchement très glamour. Mais par contre, on a accès quand même à toutes les collines là au-dessus de la mer. Donc on peut rapidement s'échapper un peu dans la nature. Ces derniers jours, j'ai eu pas mal de choses à régler. J'ai des rendez-vous de dentiste aussi qui se succèdent. Et ça fait partie aussi du truc d'être bloqué dans des régions ou dans des endroits pour régler des problèmes. Des fois, on est dans des coins comme ça. Là, c'est des parkings avec un vieux grillage un peu défoncé. Des types qui jouent de la tronçonneuse, là, qui font leur gamme de tronçonneuse juste à côté toute la journée. Il faudra que je m'occupe du drone pour le faire réparer. J'irai certainement le faire réparer dans le Var. J'ai eu une petite série d'ennuis. Comme disait notre ami Jacques Chirac, ça vole toujours en escadrille. Donc j'ai eu un petit passage d'escadrille là, ces derniers temps. Argos s'est fait attaquer par un chien aussi. Il s'est fait mordre à la patte. Donc bon, il avait la patte avec les poils arrachés, ça saignait, etc. Bon, là maintenant, et puis boité. Là maintenant, ça va mieux. Donc ça cicatrise, il recourt. Donc ça va mieux. Et voilà, le drone, le chien, j'ai très mal aux dents pendant plus d'un mois. Des fois, la vie en van, c'est juste une semaine banale, pas terrible. Rien de grave, mais pas terrible. Ça fait partie aussi du truc, on va chez le dentiste comme tout le monde et on... voilà. Come and tell me what you need to know. We can start. What it is that you need, what it is you need.
Ça, c'est les petites balades qu'on faisait avec Argos il y a encore 4-5 ans. Ça, c'est le massif de l'Estérel. Et ouais, cette côte, elle est vraiment magnifique, moi, je trouve. Pendant que j'habitais ici, j'ai souvent essayé de l'imaginer au début du 20e siècle, quand elle n'était pas bétonnée. Parce qu'aujourd'hui, de Théoule à Nice, c'est qu'une seule agglomération en fait. Toutes les villes sont collées et il y a vraiment du béton de partout. Mais il y a 100 ans, ça devait être magnifique, ça devait être vraiment un petit paradis ici. Avec certainement le meilleur climat de France. Parce que dans la baie de Cannes, c'est vraiment exceptionnel. En été, il fait moins chaud qu'ailleurs. En hiver, il fait beaucoup plus chaud qu'ailleurs. Toujours un climat très doux. C'est pour ça que les riches viennent s'encanailler ici, d'ailleurs. Enfin, s'encanailler, je sais pas. Les gens qui n'ont pas raté leur vie il y a 50 ans. Ce genre de paysage pas très loin, juste en sortant du van et en marchant quelques centaines de mètres. C'est la maison de Pierre Cardin, il me semble. Ce qu'on appelle la maison bulle. Elle est connue ici. Je crois qu'on peut la visiter. h 25. Argos est déjà bien devant. C'est une vraie horloge, ce chien. Là, ce qu'il veut maintenant, c'est manger. Il veut rentrer pour manger. Pas besoin d'une Rolex à 50 ans quand on a Argos. Il te donne l'heure à 17h25, tous les jours. On voit les petites taches jaunes là, sur les montagnes. C'est que des mimosas. Ça fait des petites grappes. J'ai fini de peindre cette petite joue qui vient au-dessus de finir un peu le dessus là, de l'ouverture. Là c'est pareil, j'ai retrouvé un bouton là d'étagère, les mêmes que ceux que j'avais utilisés au début. Et en fait il n'y avait pas de truc pour ouvrir cette trappe pour accéder sous la gazinière, et en fait du coup je peux même ranger encore un peu, ça me fait un petit rangement supplémentaire. Et puis voilà, c'est facile, propre. Donc j'ai fait ça aussi un jour. Printemps dernier, j'avais installé cette espèce d'étagère, en fait c'est une espèce de table de nuit qui est très pratique, dans laquelle je peux ranger des bouquins, mettre mon téléphone à charger pour la nuit, etc.
Et à l'été dernier, j'ai rajouté cette fenêtre aussi sur l'arrière, sur la porte arrière. Mais pour qu'elle puisse se fermer, j'ai dû découper la table de nuit pour que le cadre de la fenêtre puisse rentrer. Sinon, je pouvais pas fermer. Et ça fait des mois maintenant que je me dis qu'il faut que je finisse ce truc. Donc aujourd'hui, je vais vraiment m'en occuper. On est remonté un petit peu à l'écart de la ville, parce que là où on était sur le parking là, le week-end, il y a vraiment beaucoup de monde qui défile toute la journée, et on n'est pas trop tranquille, et surtout pour bricoler un peu. Donc en général le week-end je remonte un peu à l'écart, et puis on redescend la semaine là-bas pour assurer les rendez-vous, etc. On est tranquille, je peux bricoler sans avoir l'impression de déranger quelqu'un. J'ai fait un petit pesto d'hiver. J'ai fait ça, donc au lieu du parmesan, j'ai mis du pecorino pepato. J'ai mis des olives à la grecque. J'ai remplacé le basilic par du persil. J'ai remplacé les pignons de pin par des noisettes. Et j'ai rajouté aussi des petites tomates séchées. Et ça va me faire un petit pesto. Je vais rajouter l'huile d'olive, puis je vais le broyer au pilon. Et ça va me faire un vrai petit pesto d'hiver. Petit pesto. On va faire des pâtes avec, très simplement, des linguines. Dans l'eau de cuisson, je mets toujours des carottes parce que je trouve que ça rajoute vraiment un goût. Pendant ce temps-là, nos petites planches sont en train de sécher. J'ai oublié de la rentrer hier soir. Tire un peu la gueule. Et il a fait moins 2 quand même, je pense. Enfin, ils annonçaient moins 2 cette nuit. Il fait assez froid quand même. Donc la petite coriandre, elle a pris un petit coup là. Elle est pas gaillarde. Bon, j'ai travaillé un peu ce matin sur cette fameuse double cloison de cuisine. Donc j'ai découpé ce tasseau qui venait jusqu'au bout là. J'ai découpé cette planche aussi qui venait aussi jusqu'au bout, qui était ici pour renforcer la cloison, puisque c'est ici qu'on a les connexions, donc il faut que ce soit quand même bien rigide et que ça se balade pas. J'ai aussi coupé ce tasseau. Donc ici tout le long, j'ai aussi découpé la cloison, j'ai fait un décroché. Et j'ai fait un décroché parce qu'en fait, quand on fait la vaisselle ou qu'on cuisine, là, ça ouvre quand même pas mal d'angles pour avoir le bras qui travaille sans trop de contraintes. Avant, la cloison venait jusque là, et j'étais toujours comme ça en fait. C'était très pénible d'avoir le bras qui n'était pas libre. Donc là, ça ouvre beaucoup, ça va ouvrir aussi toujours un petit peu de lumière. Quand je prends ma douche, il y a toujours le rideau et les projections d'eau ici, il n'y en a jamais. Il y en a un petit peu en bas parfois. Le rideau cache bien, donc c'est pas du tout un souci d'avoir ce petit décroché là. On dirait pas, mais ces 5-10 cm là que j'enlève, ils sont vraiment très importants
pour gagner en confort. Je vais remettre un plaquage en 5 mm comme il y avait avant en fait sur cette partie, parce que là je peux pas faire autrement, il faut vraiment que je protège ce truc, que ce soit bien propre. En principe je vais tout peindre en blanc puisque c'est vraiment le thème du van, c'est bois et blanc. Quasiment à la fin ce sera vraiment de l'ordre définition. Là la priorité c'est d'aller mettre le plaquage, faire ma fameuse étagère en triangle comme ça, venir jusque là, et dans laquelle je vais pouvoir ranger des fruits, des légumes, tout un tas de petits trucs, voilà. Un petit peu comme l'étagère en fait que j'ai fait ici. C'est-à-dire que ça permet d'ouvrir, et dans le coin on a quand même suffisamment d'espace. Suffisamment d'espace pour ranger tout un tas de choses, mais ça gêne pas le passage. Voilà, grosso modo, donc ça avance un petit peu. De ce côté, c'est définitivement fini. Bonjour, Argos. J'ai mes bouquins et le truc vient rentrer parfaitement dedans sans que ça gêne. Ça me permet d'avoir une vraie bonne table de nuit. Alors ce qu'il faudra, c'est que je l'enlève entièrement, que je remette une dernière couche de peinture, mais de toute façon là depuis quoi, presque un an maintenant, hein, j'ai entamé plein de travaux vraiment de fond, on va dire, et il y a de toute façon un gros coup de peinture à faire tout à la fin. Donc, je me laisse le temps, je suis tranquille par rapport à ça, je suis serein par rapport à ça. Et j'avance puisque l'objectif c'était de finir tout ça à la fin de l'hiver. Donc d'ici un mois et demi à peu près. Parce qu'après j'ai des petits projets et que je voudrais que tout ça se soit fini. On peut avoir l'impression que ça prend beaucoup de temps ces travaux et que je suis très lent. Mais en fait, déjà, j'ai pas que ça à faire. Ensuite, je fais ça avec les moyens du bord, c'est-à-dire que j'ai des tasseaux que je récupère, que je stocke en dessous et des trucs comme ça, et je fais avec ce que j'ai souvent. J'achète pas grand-chose, en tout cas en bois. Et puis, comme je vis dans le van tous les jours, en hiver, bah, quand il pleut, je fais pas de travaux parce que c'est vraiment compliqué. Quand il fait beau, que je fais les travaux, il faut aussi que je protège souvent une partie du van pour pas accueillir de la poussière de partout, etc. Et il y a toutes ces petites contraintes qui font que ça prend beaucoup plus de temps, mais pour moi, c'est pas un problème, ça me va bien. Ça me va bien de bricoler tout seul dans la nature, là, quand il fait beau, en hiver. J'aime bien ça aussi, j'aime bien prendre le temps. C'est cool. Et puis il y a toujours la satisfaction du travail fait, bien fait si possible. J'aime bien bricoler tranquillement. Comme j'aime bien cuisiner tranquillement. Et c'est vrai que depuis 3 ans, j'ai beaucoup bougé quand même. J'étais très souvent à l'étranger, même pendant les périodes de Covid et tout. J'ai toujours tenu à voyager quand même, à bouger, à pas refuser, à pas renoncer à mes objectifs, à mes rêves, etc. Et cette année, et même l'année dernière aussi, je suis vraiment plus, plus à la cool, plus détendu. Je voyage moins, ça c'est vrai. Alors forcément, pour les gens qui regardent la chaîne, c'est peut-être moins intéressant. Mais en même temps, je trouve que ça fait partie du truc de parfois passer un hiver juste en France sans partir à l'autre bout du monde ou du continent.
Et il y a des chaînes qui des chaînes YouTube qui que je ne critique pas par ailleurs, mais qui ne font que ça. Que ça, que ça, que ça. Toujours être à droite, à gauche, prendre l'avion pour partir en Afrique du Sud et puis revenir, repartir au Mexique, en Suède, en Belgique, en ceci, en cela. Pour toujours en foutre plein la vue à tout le monde, tout le temps. Et je pense que la van life, ce qu'on appelle la van life, moi j'aime de moins en moins ce terme, mais bon, pour qu'on soit d'accord sur le sujet. On va dire la van life. Je trouve que la van life, c'est pas ça. Et que quelque part, encore une fois, c'est pas une critique, hein, mais ces chaînes-là vendent des trucs qui n'existent pas en fait. Parce que la capacité à pouvoir s'acheter plusieurs véhicules dans la même année, à voyager, à prendre l'avion tous les 15 jours, enfin, j'exagère un peu en disant tous les 15 jours, mais franchement, beaucoup. C'est pas donné à tout le monde, et très honnêtement, c'est pas franchement ça la réalité. Que tu peux vivre en van tous les jours. Et donc, cette année, en fait, moi, je suis assez content d'être à la cool, de prendre du temps pour moi, pour avancer sur certains projets. J'espère que je pourrai en parler sur cette chaîne bientôt. Pour l'instant, je préfère pas m'avancer parce que c'est loin d'être fait. Mais voilà, je pense que c'est aussi bien de montrer que la vie en van, c'est pas seulement des trucs extraordinaires tous les jours, des trucs fous. J'ai voyagé comme j'ai pu et quand j'ai pu le faire. Aujourd'hui, financièrement, c'est évident que c'est un peu plus compliqué. Donc c'est aussi ce qui m'amène à de temps en temps stopper pour travailler, pour faire un peu d'argent. Et en même temps, j'ai pas envie de lâcher complètement cette chaîne YouTube et d'abandonner tout ça parce que j'aime la vidéo, j'aime cette vie en van. Après, je suis conscient que ça plaît moins aux gens, quoi. Et que les gens veulent du sensationnel à tous les épisodes. Moi, je pense que je suis sorti de ça. Je pense que j'ai envie d'autre chose aujourd'hui. J'ai envie d'un peu d'authenticité, un peu de réalité. Et la réalité fait que mon quotidien, il est fait de bricolage dans la garrigue au mois de janvier. Et que j'adore ça. En plus, je suis vraiment là, pour le coup, je suis tranquille. Je me mets un peu de musique. J'ai pas de contraintes, on m'emmerde pas. Et ça, c'est très bien. Et c'est vrai que je montre de plus en plus de cuisine sur cette chaîne. Alors, le jour, il y a un commentaire qui disait, mais c'est une chaîne van life ou c'est une chaîne de cuisine, on sait plus. Alors, les gens ont toujours besoin de te coller une étiquette sur le dos. Soit t'es van life, soit t'es cuisine, mais tu peux pas faire les deux en même temps. Et je pense qu'en fait, les gens oublient très souvent un principe de base, c'est que dans van life, il y a life. C'est juste la vie, en fait. Et donc, si ma vie est très tournée sur la cuisine, parce que c'était mon métier avant de partir, et ça l'est encore un peu aujourd'hui, puisque je continue à travailler de temps en temps, bah, c'est juste ça. Et la van life, c'est pas juste. De s'acheter un petit camping-car Himmer vintage et de faire le beau gosse avec sa petite planche de surf. Allez, 25e aller-retour. On est pas mal.
Tentative numéro 10867. Bon, c'est pas mal. Par contre, il faut que je découpe là, tac tac, et à la forme du tasseau aussi. Voilà, ça avance. Il reste encore une petite découpe à faire ici. De toute façon, ici, il faudra que je fasse une trappe pour accéder. Accéder au tuyau, plutôt pas trop mal avancé aujourd'hui. Et il est temps de finir cette vidéo. Moi je vais redescendre en ville pour faire encore un rendez-vous de dentiste. Donc